Vas-y, tu peux m'apprendre quelque chose ? J'ai 3 tétons. Prouve-le. Il y a 70% des gens qui avouent éprouver du plaisir en pétant un agent. Einstein, on lui a proposé d'être le président d'Israël. Apprends-moi quelque chose, c'est un concept qui marche déjà très bien sur Instagram et TikTok, et on va voir si ça peut aussi marcher sur YouTube en version longue, d'où cette vidéo. À mon avis, ça sera un peu plus divertissant, on aura le côté un peu vlog, et je pense que ça va être marrant. Tu peux m'apprendre quelque chose ? Ouais, donc les fourmis, apparemment c'est tellement léger que si ça saute d'un avion, ça prend pas de dégâts chutes. Au sol, ça meurt pas. Tu penses qu'il y a beaucoup de fourmis qui prennent l'avion ? Je pense qu'il y a un bug qui a dû se poser la question et qui a dû tester. Je sais pas comment il a fait, mais il est chaud. Je pense qu'il a vraiment pris une fourmi et... Et t'as autre chose à nous apprendre ? J'ai 3 tétons. Prouve-le. C'est coupé, hein. C'est coupé au montage. Hein. Ouais, t'inquiète. Tu peux m'apprendre quelque chose ? Une expression de Charleroi. Il y a rire et rire, mais puis j'ai un deux et des cochons spires, c'est plus rire. Voilà. Ouais, je... C'est l'expression. Fais imager. Ouais. C'est en gros, c'est... tu peux te foutre de ma gueule, mais à un moment donné, je le vois, quoi. Du coup, un biscuit, on dit biscuit parce que c'est cuit deux fois. Je sais pas si vous saviez, mais Einstein, on lui a proposé d'être le président d'Israël. Et il a refusé. En gros, tu veux que je t'apprenne quelque chose ? Oui, s'il te plaît, oui. Tu penses que la Terre est ronde ? Ouais. Alors, tout le monde croit qu'elle est ronde, mais en fait, elle est pas ronde, elle est ellipsoïdale. Oui, en forme de patate, un truc comme ça. Non ? Est-ce que tu peux m'apprendre quelque chose ? Petite info pour les voleurs qu'on apprend en première année de droit. Si vous voulez voler, ok, mais faites-le genre tant qu'il y a le jour, parce que si vous volez à 18h30 et que le soleil est encore levé, et puis que vous volez à 19h et que le soleil est couché, vous prenez beaucoup plus d'années. Voilà, petit tips. Ok, donc en gros, ne volez pas, mais si vous voulez voler... Faites ça le jour et tout seul. Tu peux m'apprendre quelque chose ? La définition du mot Antwerp, ça vient parce que... Enfin, l'histoire, c'est que il y a un gars... Est-ce que tu savais que l'ornithorynque a des griffes qui ont du poison ? On n'aurait pas cru, genre Perry l'ornithorynque, il avait pas l'air si vicieux, quoi. Mais c'est genre, il lançait sa main ou un truc comme ça. Non, on voit, non, il y a un truc. On voit qu'il y a de l'idée, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, mais il y a de l'idée. Il y a toute une hypothèse comme quoi Phineas et Ferb, ils n'existent pas et que la sœur Candice, elle est en fait hyper folle et parano et elle s'invente toutes ces histoires. Et c'est pour ça que quand elle appelle sa mère, eh ben, ils disparaissent. Voilà. C'est okay. Pas sur la médecine, mais... Non, mais c'est... Vous savez que ça chamboule toute notre enfance, somme toute. Hand, ben la main, tu vois. Et après, c'est weapon, je crois que c'est lancé, tu vois. Ok. Et du coup, il y a un truc, quand tu vas en vert, tu vois une statue, c'est un gars, il est comme ça. Ah, il lance un truc. Voilà, quoi. C'est ça. C'était un autre truc ? Alors, ça a l'air, ça vient de sel, donc c'est pour ça qu'on fait comme ça. Ah, genre l'argent comme ça, l'argent c'est un peu ça, comme... Et donc, c'est comme ça. Quand c'est Dubaï. Si tu vas chercher ton info sur Google, regarde sur la deuxième page, parce que la première, on les a déjà toutes faites. Ah, merde ! C'est quoi ton info, même ? Est-ce que tu savais que l'Everest gagne 4 mm de hauteur chaque année ? Ok, j'ai une info. L'épithélium, en gros, c'est la couche dans nos intestins, etc. Et l'épithélium, il est en forme de brosse pour augmenter la surface pour qu'on absorbe le plus de nutriments, de protéines, etc. Tu peux m'apprendre quelque chose ? Il y a 70% des gens qui avouent éprouver du plaisir en pétant un agent. Ok, donc 7 personnes sur 10. J'en fais pas partie. Elle en fait partie, définitivement. Elle en fait partie. On voit pas ça en infi, hein. Quand vous avez une occlusion intestinale, vous pouvez avoir un fécalome. Donc c'est une masse fécale très dure. Et pour la retirer, vous devez y aller au doigt, comme ça. Et c'est ce qu'on apprend en bac 1. C'est vraiment très fun à faire. Feel the rain on your skin. Un truc que tous les Belges sont au courant. En gros, le bébé du hérisson, tu vois ce que c'est ? C'est le choupisson. C'est super mignon. C'est vrai que le mot est mignon. Genre, tu sais que c'est mignon. C'est un choupisson. Tu peux m'apprendre quelque chose ? En gros, dans la savane, quand un hippopotame meurt, du coup, les animaux charognards vont vouloir manger son cadavre. Et en fait, l'estomac de l'hippopotame va se gangréner et exploser et du coup tuer les animaux charognards qui veulent le manger. Si on a un extrait de ça, bah maintenant. Tu peux m'apprendre quelque chose ? Oui, bien sûr. L'Europe a colonisé les États-Unis d'Amérique. Il y a eu des villes qui sont créées, comme Bruxelles ou encore Namur et Charleroi. Et c'est des villes où, encore maintenant, on peut y parler wallon et anglais, mais ils ne parlent pas du tout le français. Incroyable. Ça veut dire qu'à tout moment, là-bas, tu leur dis « Y'a rire, rire, rire !» Mais puis j'ai un deux et des cochons spires. Ça, c'est pas rire. C'est ça. Et ils répondront « B-Way ». Très bien, merci beaucoup. C'est rien, c'est Louvain la Neuve. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était un plaisir. On aura quand même réussi à apprendre quelque chose, même si c'était pas trop évident aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Et à bientôt. On la refait ? Pardon ? Y'a pas de caméra. Oh là là.